nous venons à toi le genou fléchi et la tête inclinée, aussi humble que nous pouvons l'être. Père qui sait tout et qui contrôle tout, aussi bien les créatures vivantes que mortes, donne-nous la force et la sagesse d'accomplir ton œuvre. Nous t'en prions, ô Dieu, et tous nous te disons Amen. Et quand Agave dégrisa, elle baissa les yeux et vit la tête de son fils entre ses mains. Elle crut que c'était un animal sauvage. Et que c'était la vengeance de Dionysos. T'es un païen, lui. Tu veux savoir ce que j'ai là? Quoi? Un peu de ce vin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je comprenais les choses comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je devins un homme, j'oubliais ces enfantillages. Que nous sommes les plus privilégiés de notre pays d'enseigner aux étudiants de première année à l'université. Parce que notre travail est le plus important qui soit dans tous les États-Unis. Former et éduquer nos jeunes gens de ce pays. Celui-là. C'est seulement mon mari. Je vais t'arracher la tête. Tais-toi. Nous devons faire comprendre à nos jeunes gens qu'ils vont rencontrer des difficultés. Allez, Trudel, essaie donc de m'attraper. Défends-toi. T'as peur, ça se voit. Même si t'es gros et que t'as un rasoir. Ils doivent les surmonter. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire afin de faire ce qu'ils veulent faire. Allez, bébé, vas-y! 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 L'éducation est la seule façon de s'en sortir. Allez, bébé, lève-toi! Allez, lève-toi! Sortir de l'ignorance. T'aimes ça, jouer du couteau, hein? Calmez-vous! T'aimes ça, piquer les gens, Trudel, hein? Non! Oh, tes sales pattes! Sortir de l'obscurité! Et accéder à l'éclatante lumière. Redonne-le-moi à notre très cher Hamilton. C'est pas drôle, arrête. Redonne-le-moi à Dunbar. Mais pour qui tu te prends, Jesse Owens? Oh, allez.
Lève-toi, Hugo. Je suis le frère à la peau foncée. On m'envoie à la cuisine quand il y a du monde, mais je ris, car j'y mange et je deviens plus fort. Demain, je m'assoirai à table quand il y aura du monde. Et personne alors n'osera me dire « mange à la cuisine ». D'ailleurs, ils pourront voir comme je suis magnifique et auront honte. Car moi aussi, je suis d'Amérique. Qui a écrit ça? Langston Hughes, 1924. 1925. Vous haïr sera un jeu auquel on jouera la tête froide. La mémoire posera ses mains sur ta poitrine. Et alors, tu comprendras ma haine. Gwendolyn Bennett a écrit ça. Elle est née en 1902. Officieusement. Car dans la plupart des États, les nègres n'avaient pas droit à un acte de naissance qui fait que durant toute ma vie, je peux mentir sur mon âge. Vous trouvez ça drôle, hein? Qu'il n'y ait pas trace de votre naissance. Monsieur Reed, faites passer. Je vais vous faire connaître de nouvelles voies durant ce semestre. Il y a une révolution qui se déroule dans le Nord, dans Harlem. Il change la façon de penser des nègres d'Amérique. Je parle ici des poètes comme Hughes, Bennett, Zora Neale Hurston, County Cullen. Certains naissent dans la soie salués par les étoiles qui brillent pour leur venue. Moi, j'aiguise mes dents comme le chat sauvage. Parce que c'est avec elle que je me battrai. Venez me voir après le cours. Qu'est-ce qu'un professeur fait au milieu de la nuit, vêtu comme un coupeur de coton? Qu'est-ce qu'un étudiant fait au milieu de la nuit, à gaspiller sa vie? C'est drôle, je croyais que je me défendais. Je me souviens de vous. Ça fait quelques années que vous êtes disparu. Qu'est-il arrivé? Je vais et je viens, comme ça me plaît. Suspension? Non, absence autorisée. Pourquoi être revenu? Y a qu'à l'école qu'on peut lire tout le temps. À part la prison. Venez chez moi ce soir, 7h30, au coin de June et Campus. Et pourquoi donc? Je veux former l'équipe de débatteurs. Vous recherchez quelqu'un comme moi? Non. Vous devrez vous qualifier. À 7h30, June et Campus. Volant dans le ciel, ballotté et secoué par le vent. Sois bon ce soir, Junior. Des 350 étudiants qui fréquentent Wiley, seulement 45 ont eu le cran de tenter de se qualifier pour l'équipe des débatteurs. De ces 45, seulement 4 seront choisis pour en faire partie. Pourquoi? Parce que débattre est un sport de combat, un sport sanguinaire. Mais vos armes sont les mots. Et entrez, maintenant que M. Farmer est là, nous pouvons commencer. Bonsoir, M. Farmer. Non, voilà, là-bas. Oui, monsieur. James, par ici. Bonsoir, Madame Tolson. Bonsoir. Pardon. Nous vous attendons, M. Farmer. Tout de suite, monsieur. Merci, M. Farmer. Vous sentez très bon, M. Farmer. Merci, monsieur. Mais je vous en prie. Messieurs et mademoiselles, ceci est le point chaud. Vous y entrerez à vos risques. Mais pour les débatteurs de l'an dernier, M. Tolson... C'est une question dont vous connaissez la réponse. Vous serez le premier à aller sur le point chaud. Le débat commence par une proposition, par une affirmation. Le travail des enfants doit être réglementé par le gouvernement.
Le premier débatteur va en parler affirmativement, c'est-à-dire qu'il sera pour l'assertion. C'est ce que fera M. Reed. Le second débatteur soutiendra la négative. Et négative veut dire quoi? Contre. Brillant, M. Burgess. Vous défendez cette assertion, M. Reed. Allez-y. Eh bien, monsieur, je commencerai en citant le poète Cleghorn. Le golfe se trouve si près du moulin que presque tous les jours, les enfants qui y travaillent peuvent regarder dehors. Les voir les joueurs sur le terrain. Est-ce là ce que vous avez retenu de l'an dernier, Monsieur Reed? Commencer sans pouvoir finir, c'est ça? Non, monsieur. Asseyez-vous. Qui essaie? Vous? Allez. Levez-vous. Oui, monsieur. Combien de temps encore? Allez-vous donc vous cacher? Ce n'est pas ce que je fais. Je viens de changer d'université afin de me joindre à votre équipe. Je compatis. Quel est votre nom? Samantha Book. Book. Avec un E. Levez-vous, Miss Book. Avec un E. Alors, Miss Book. Avec un E. Allez sur le point chaud. Vous savez, il n'y a jamais eu de femme dans notre équipe de débatteurs. Oui, je le sais, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez la première? Parce que je possède toutes les c'est qualifications bégayer, requises. Le fait que je suis une femme assertion. N'a rien à voir. L'aide sociale décourage le travail. Vous défendrez la négative. D'accord. L'aide sociale enlève à l'homme sa principale raison de travailler, qui est de survivre. Ce qui affaiblit la volonté des pauvres. Comment réfuteriez-vous ça, Miss Book, avec un E? Selon moi, c'est une erreur de le croire. L'aide, selon le New Deal de Roosevelt, va aux enfants ainsi qu'aux gens handicapés et aux personnes âgées. C'est un fait ou une conjecture? C'est un fait. Plus fort. C'est un fait. Quelle est votre source? Le président. Les États-Unis? Oui, c'est exact. C'est votre principale source? Vous avez donc parlé au président Roosevelt? Bien sûr que non. Je ne lui ai pas parlé en personne, mais j'ai écouté son émission de radio. Oh, vous avez entendu ça à la radio? Oui. Vous avez d'autres sources? Eh bien... Vous avez d'autres sources? Oui, il y a d'autres sources. Comme les yeux d'une mère qui ne peut nourrir ses enfants. Sans cette aide, Monsieur Tolson, les gens mourraient de faim. Qui sont ces gens, Miss Book? Ce sont les chômeurs qui crèvent de faim. Monsieur Burgess est chômeur, mais il n'a pas l'air de crever de faim. Je vous ai tiré dans un débat. Votre prémisse était fausse, alors votre syllogisme s'est effondré. Syllogisme? C'est-à-dire votre raisonnement. Prémisse majeure, les chômeurs crèvent de faim. Prémisse mineure, Monsieur Burgess est chômeur. Conclusion, M. Burgess crève de faim. Votre prémisse majeure reposait sur une fausse hypothèse. Erreur classique. Suivant. Vous dites vrai. Dites-nous votre nom. Je suis Henry Lowe, avec un R. Très bien, Monsieur Lowe. Je vais vous proposer un sujet. Vous me donnez une citation pertinente tirée de la littérature mondiale. Allez-y. Beauté. J'ai entendu les très très vieux dire que toute beauté finit par fuir comme le temps. Très bien. Histoire. Et nommez l'auteur cette fois. L'histoire est un cauchemar dont je cherche à me réveiller. James Joyce. Se plaindre. Nul n'a vu un animal s'apitoyer sur son sort. D.H. Lawrence. J'adore D.H. Lawrence. L'avez-vous déjà lu? Monsieur Farmer. Monsieur? J'arrive à vous voir et à vous entendre, peu importe où vous êtes. Levez-vous. Dites-moi en quoi le nom de Bethlehem Steel Corporation est ironique. Bethlehem est l'endroit où est né Jésus, prince de la paix. Et Bethlehem Steel fabrique des armes de guerre. Excellent. Asseyez-vous. Bien. Qui est le suivant? Miss Samantha! Samantha! Monsieur Tolson est très dur, non? Ça, c'est sûr. Je m'appelle James. Est-ce que votre père, c'est le docteur James Farmer? Oui. C'est lui, oui. Il me donne des cours de théologie. Votre père parle tant de langues, le français, le grec, l'hébreu, le latin. Combien de langues est-ce qu'il parle? Il en parle sept. Il en parle sept.
C'est sûrement l'homme le plus brillant du Texas. Bah ça, c'est plutôt facile. Pourquoi voulez-vous faire partie de l'équipe? Ce serait une bonne façon de m'entraîner. À quoi? À être avocate. Avocate? Oui. C'est bien. Savez-vous combien de femmes noires pratiquent le droit dans cet état? Deux. C'est exact. L'une d'elles est ma tante. Eh bien, dites donc, monsieur Farmer. Au fait, quel âge avez-vous? Je vais avoir 16 ans. Dans 21 mois. Mademoiselle. James, je voulais vous remercier. Pourquoi? Pour votre exploit de ce soir. Combien d'étudiants ont déjà tenu tête à Tolson? Moi, Henry. Non, t'as répondu à une question et j'ai lancé des citations. Mais Miss Book, avec un E, elle lui a résisté. Et il a gagné. Mais vous n'auriez pas dû perdre. Pourquoi une émission de radio n'est-elle pas une bonne source? Parce que Tolson le prétend? Personne n'a un meilleur accès à ces statistiques que le président. Et si vous lui aviez dit ça, vous l'emportiez. Je ne sais pas. Je suis sûre qu'il aurait trouvé autre chose. Hey, bonne nuit, James. Je suis sûre que... Bonne nuit, Samantha. Quelqu'un apporterait un argument logique, il reviendrait à la charge et... Vous avez tous du talent. J'ai formé cette équipe en songeant à son équilibre. Et si vous n'en êtes pas, ce n'est pas un échec. Ni une façon de dénigrer votre intelligence. Dénigrer, voilà un mot pour vous. Il contient le mot latin niger, diffamer et noircir. C'est toujours présent, n'est-ce pas? Même dans le dictionnaire. Même dans la bouche de votre professeur de race noire. Il semble que noir signifie échec depuis toujours. Rédigez votre propre dictionnaire et considérez qu'il s'agit pour vous d'un nouveau départ. Que vous fassiez ou non partie de l'équipe. L'équipe Forensic de l'Université Wallace 1935-1936 se composera de Monsieur Hamilton Burgess, qui en était l'an dernier. Soyez-vous, Monsieur Burgess. Monsieur Henry Lowe. Nos remplaçants. Miss Samantha Book, avec un E. Et enfin... Junior, je t'en prie, calme-toi. Ouais, papa. Silence, il rédige un serment. Papa? Junior, quelle est la plus grande faiblesse de l'homme? Ne pas croire? Douter? Ouais, c'est ça. Merci, Junior. Matthieu 14, 31. C'est de ça que je parlerai. Papa? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Papa? Qu'y a-t-il, fils? Je fais partie de l'équipe. Eh bien... Félicitations. Qui d'autre en fait partie? Nous sommes quatre. Je suis un des remplaçants. Qui est devant toi? Hamilton Burgess et Henry Lowe. Et il y a aussi Samantha Book qui est remplaçante. Il y a une fille. Elle veut devenir avocate. Avocate? Elle est très intelligente. Est-elle belle? Je sais pas, j'ai pas vraiment remarqué. Car les activités parascolaires comme cette équipe de débat, c'est très bien, mais tu dois te concentrer sur ton but, fils. D'accord. Alors, que devons-nous faire? On doit faire ce qu'on a à faire afin de faire ce qu'on veut faire. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Mes devoirs. Alors, vas-y. Oui, monsieur. Mon père a une épicerie où il y a des pommes, des bananes, des biscuits, des beignes, des œufs, des figues et des fèves gonzola. Fèves gonzola. C'est quoi une fève gonzola? Bêtise. Bêtise. Allez. Des abricots. Des bêtises. Quoi? Pas d'abricots? Attention! Qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûre. Bougez pas. Vous avez compris? Restez tranquille. Qu'est-ce que c'est? Un cochon.
C'est un cochon. Ta gueule, le chien! Junior, remonte dans la voiture. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à mon porc? Je suis désolé. Il a surgi de nulle part, je l'ai pas vu. Tu sais que tu as tué mon porc? Je suis vraiment désolé. Je vais vous dédommager. Combien voulez-vous? Ça va te coûter 25 dollars. Je n'ai pas cette somme sur moi, mais je... Mais j'ai un chèque. C'est mon salaire du mois à l'université Wiley. Il est de 17 dollars et 36 cents. Vous pouvez l'avoir. Je vais l'endosser et vous le donner. Tu vas faire quoi? Je vais signer le chèque et vous le donner. Ben, montre-le-moi. C'est ma femme qui l'a dans la voiture. Je vais retourner à la voiture. Junior, monte. Donne-moi mon chèque de paye, Pearl. On a besoin de cet argent, James. Donne-moi le chèque. Allez. C'est sa femme qui l'a. Je croyais qu'il était là. Il est là. T'énerve pas. Tu vas le trouver. Tiens. Le voilà. Il est mieux d'être bon. Il est bon. Ben vas-y, ramasse-le. Tenez. Wow, 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 où est-ce que tu t'en vas? Tu vas m'aider à charger le cochon dans le camion. Tu vas le prendre par l'arrière, mon petit. Attention à trois. Un, deux, trois. Ces nègres de la ville. Ils se croient trop bons pour se salir les mains. Je t'avais dit de remonter dans la voiture. Et quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais. Qui est le juge? Le juge, c'est Dieu. Pourquoi est-il Dieu? Parce qu'il décide qui perd et qui gagne, pas mon adversaire. Qui est votre adversaire? Il n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? Il n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité. Qui est le juge? Le juge, c'est Dieu. Pourquoi est-il Dieu? Parce qu'il décide qui perd et qui gagne, pas mon adversaire. Et votre adversaire? Il n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? Parce qu'il n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité. Qui est le juge? Le juge, c'est Dieu. Pourquoi est-ce Dieu? Parce qu'il décide qui perd et qui gagne, pas mon adversaire. Qui est votre adversaire? Il n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? Parce qu'il n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité. Qui est le juge? Le juge, c'est Dieu. Plus fort! Le juge, c'est Dieu. Pourquoi est-il Dieu? Parce qu'il décide qui perd et qui gagne, pas mon adversaire. Qui est votre adversaire? Il n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? La vérité. Oui, monsieur, j'adore parler. Est-ce une vertu ou un vice? Je dois admettre que j'ai toujours voulu être celui qui est mystérieux, mais je n'arrivais pas à me taire assez longtemps. Vous frapperiez-vous vous-même dans une bagarre de rue, monsieur Burgess? Non, monsieur. Alors ne le faites pas dans une bagarre de mots. Ne faites pas d'humour à vos dépens. Utilisez votre humour contre votre adversaire. Monsieur Farmer. Monsieur. Souriant, monsieur Farmer. Dites-nous une chose que nous ne connaissons pas sur votre père. Il fut le premier noir à avoir un doctorat. Une chose que nous ne connaissons pas sur votre père, monsieur Farmer. Il a marché de la Floride au Massachusetts afin d'étudier à l'université de Boston. Il a obtenu la mention très bien. Monsieur Lowe.
Parlez-nous de votre père. Peut-être que vous pourriez nous parler du vôtre. J'essaie de faire que vous vous connaissiez un peu mieux. Et moi de vous connaître, Monsieur Tolson. Mais moi, je ne fais pas partie de cette équipe. Sommes-nous engagés dans un débat, monsieur? Très bien. Je défends l'affirmative. Prenez le nègre le plus contestataire. Déshabillez-le devant les autres noirs, hommes, femmes et enfants. Roulez-le dans le goudron et les plumes. Attachez ses jambes à deux chevaux dans des directions opposées. Mettez-lui le feu et puis fouettez les chevaux jusqu'à ce qu'il le démembre. Devant les nègres, hommes, femmes et enfants. Puis fouettez et battez jusqu'au sang tous les nègres mâles qui y ont assisté. Ne les tuez pas, mais gravez la crainte de Dieu dans leur peau, parce qu'ils pourront servir pour la reproduction. Si quelqu'un sait qui était Willie Lynch, qu'il lève la main. Personne? C'était un brutal propriétaire d'esclaves des Antilles. Comme ceux de la colonie de la Virginie avaient du mal à contrôler leurs esclaves, on leur envoyait M. Lynch leur apprendre ses méthodes. Le mot « lyncher » est formé d'après son nom. Ses méthodes étaient très simples, mais très diaboliques. Garder l'esclave fort physiquement, mais faible psychologiquement et dépendant de son maître. Laissez-lui son corps, prenez son esprit. Moi, ainsi que tous les professeurs sur ce campus, sommes ici pour vous aider. Vous aider à vous faire retrouver votre faculté de penser. Parce qu'il semble évident que vous l'avez perdu. C'est tout ce que vous avez à savoir sur moi, Monsieur Lowe. Le cours est terminé. Tu veux danser? Oui. Viens. T'es un excellent danseur. Merci, je m'exerce dans ma chambre. Tiens bon. Excusez-moi, ton verre. Merci. Je crois que je vais aller m'en chercher. Je te donne le mien, si tu veux. D'accord. Ça va? Et si on allait à un endroit où il y a de la vraie musique? Non, je vais rester ici, Anne. Juste un moment, puis je te ramène. Et qu'est-ce que mon chaperon va dire? Elle n'aura pas le temps de s'en apercevoir. Est-ce que t'aurais peur ?
Est-ce que par hasard, t'aurais peur? Monsieur Tolson ? La Southern Tenants Farmer Union veut que vous vous regroupiez pour établir des choses. Comment? En faisant la grève? Ils vont faire venir des Mexicains. On va aussi les syndiquer. Oui, comme ça, ils pourront tous nous abattre, blancs, noirs et mexicains. C'est ça qu'ils veulent vous faire croire, qu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. C'est peut-être des fous, mais des hommes d'affaires intelligents. Et quand on sera syndiqués, ils verront que même les armes ne pourront pas nous arrêter. Ils l'ont fait à Hélène. Pourquoi vous en parlez pas? Là-bas, ils ont tué une centaine de métayers noirs qui voulaient se syndiquer. C'était en 1919, mon ami. Et c'est mon papa qu'ils ont abattu, mon ami. On en est désolé. Mais eux se battaient seuls. Voilà pourquoi. On est en 1935. On a le National Labor Relations Board. On a la AFL. Non, t'as rien du tout. Ouais. Il a rien du tout. Ils arrivent! Ils arrivent! Éteignez! Hey, tout le monde, partez! Partez! Silence! Thank you.
Qu'est-ce que vous faites ici? Je passais devant votre maison et je vous ai vu drôlement habillé. Je m'habille comme eux. Croyez-vous qu'ils m'écouteraient si je portais un smoking? Hein? Non, monsieur. Écoutez-moi. Vous écoutez? Vous ne devez dire à personne ce que vous avez vu ce soir, compris? Même ma femme n'est pas au courant. Je ne le dirai à personne, j'en fais le serment. Je jure sur une pile de Bible que je ne le dirai pas. Venez. Junior, est-ce que tu vas rester là? Non, monsieur. Je suis désolé. Tu es désolé. Il est plus d'une heure du matin. Ça fait des heures que je te cherche. Après la danse, je suis allé chez monsieur Tolson. Oui, j'ai pensé que tu ferais ça. Je suis donc passé chez lui. Et j'ai parlé à Ruth. Elle a dit que Tolson était sorti et que tu n'étais pas là. Je vais te donner une autre chance. Où étais-tu? Je ne peux le dire, monsieur. Te voilà enfin. On se faisait du souci pour toi. Junior. Dis-moi où tu étais. Désolé, je ne peux vous le dire. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est une réponse qui est inacceptable, Junior, alors dis-le-moi. Junior. Garder le silence ne te mènera à rien. Fils, est-ce que tu as bu? Chérie. Parce qu'il faut que tu aies bu pour rentrer à la maison. Chérie. Et ne pas vouloir me dire où tu étais à une heure du matin. Je t'en prie, mon petit, dis-moi ce qui s'est passé. Mais rien, maman, il s'est rien passé. Dis-le-moi, il s'est rien passé. Quelque chose qui ne va pas. T'étais avec cette fille? Non. T'étais avec cette fille? Non. Parce que tu n'as que 14 ans, Junior. T'auras plus tard tout le temps d'en rencontrer. J'étais pas avec Samantha. Junior. Alors où étais-tu? Chérie, dis-moi où tu étais. Tu ne veux pas parler? Bien. Mais tu vas rester ici. Que voulez-vous dire? C'est très clair. Tant que tu n'as pas dit la vérité, tu ne quittes pas la maison. Quoi? Mais mes cours... Ne remets jamais en question ce que dit ton père. Maman, mais mes cours... Et n'élève pas la voix. Junior. Mais je n'élève pas la voix. Dans cette maison, tu n'élèves pas la voix. Pardon à ton père. Je n'élève pas la voix. Tu veux trouver un emploi et être indépendant. T'es un homme maintenant, c'est ça? Mais je n'ai pas élevé la voix. Demande-lui pardon. J'ai rien dit du tout. Pourquoi devrais-je m'excuser? Comme vous, propriétaire du cochon. Tais-toi. Va dans ta chambre. Oh, Junior. Je dois me montrer ferme sur cette question. Je sais. Et je ne permettrai pas qu'on débauche mon fils. Tu as raison. Allons dormir. Demain, je lui parlerai au sujet de l'école. D'accord. Pour rien vous cacher, mes petits, je me sens pas bien. Non, pas bien du tout ce matin. Ça nous fait beaucoup de peine, monsieur. Hmm. Je trouve que vous avez l'air bien. Qu'est-ce que t'en dis, ça? Oui, je dirais ça, oui. Il y a quelques blancs qui viennent juste d'arriver du Nord. Ils sèment le trouble entre les gens de couleur et les blancs d'ici. Ils disent qu'il faut qu'on fonde un syndicat. Les métayers et les employés, les blancs et les noirs. Ils veulent fonder un syndicat. Qu'est-ce que vous pensez d'une affaire comme ça?
J'en sais rien, monsieur. Pour tout dire, j'y ai pas vraiment pensé. C'est une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. C'est moi qui vous le dis. Oui, monsieur. On dit qu'hier soir, il s'est tenu tout près du lac une réunion secrète. Vous avez entendu parler de ça? Non, monsieur. Vous n'êtes pas au courant. Samuel? Non, monsieur. Tu n'en as pas entendu parler? Non, monsieur. Tu me le jures? Oui, je le jure, monsieur. Bon, très bien, dans ce cas. À plus tard. Notre premier débat se tiendra exactement dans une semaine. Une semaine? C'est bien ça. Je croyais qu'on commençait à Prairie View. Ils sont très forts. Je pensais que nous entraîner serait excellent. Contre la meilleure école noire de l'État? Exactement, monsieur Burgess. Est-ce que ça vous effraie? Oui, monsieur. Une semaine, c'est trop court pour développer nos arguments. Vous faites la recherche, je me charge de les écrire. Comment, c'est vous qui allez les développer? Et vous les exposerez, monsieur Long. Je préfère être damné que de faire ça. C'est ce qui va vous arriver si vous faites la forte tête. De prime abord, vous avez l'air d'un étudiant. Donc, vous doutez de mes capacités? C'est pas une question de compétences, mais plutôt d'expérience. Alors, vous pensez donc écrire... C'est moi qui vais les écrire! C'est ce qui s'est toujours passé, et c'est ce qui va se passer. Il y a d'autres questions? Une semaine. Et maintenant, le premier à soutenir la proposition de l'Université Baldwin, Audrey Hubbard. Voici l'énoncé. L'aide aux chômeurs devra se terminer lorsque la dépression sera finie. Si jamais elle finit. J'ai remonté dans l'histoire jusqu'en 1536, quand la première loi sur la pauvreté fut votée. À cette époque, cette aide, ou assistance sociale de nos jours, provenait seulement de contributions volontaires. Mais, des années plus tard, les Anglais inventèrent le régime d'allocation, les premières prestations de chômage. Mais il ne s'agissait plus de contributions volontaires. On les nomme maintenant impôts. Mais ce régime s'avéra un désastre. La seule véritable façon d'aider un chômeur, c'est de lui trouver un emploi. Mais pour y arriver, il faut redonner vie à l'économie. Non la taxer, ni l'étouffer. Au début du capitalisme, un vieil adage puritain proclamait que celui qui ne travaille pas devrait jeûner. C'était vrai quand il y avait plus d'emplois que de travailleurs pour les occuper, mais ces temps sont révolus. Il y en a des millions qui veulent travailler, mais qui se retrouvent à faire la queue dans les banques alimentaires, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Nous avons aujourd'hui besoin d'un nouveau pacte social, le droit pour un individu de réclamer de la société autant que lui donne à cette société. Nous sautons sur tout ce qui ressemble même de loin à une solution. 60 millions de dollars par mois pour soulager la misère? Bien sûr que oui. Si ça fait disparaître les vagabonds de nos rues, le septième de la population des États-Unis vit de l'assistance publique? Bien, si cela peut mettre fin à la pauvreté, une nation aussi désespérée que la nôtre est un danger pour elle-même. Un jour, un général romain rétablit la paix dans une province rebelle. En en tuant tous les citoyens. Même ses compatriotes en furent choqués. L'un d'eux écrivit « Solitudinem faciunt pacem appellant », ce qui veut dire « Ils semèrent la désolation et l'appelèrent paix ». Et avec tous leurs faits et leurs chiffres, les débatteurs de Paul Quinn créeraient aussi une désolation qu'ils appelleraient paix. Ils laisseraient les sans-emploi crever pour laisser vivre l'économie. On a demandé à une brillante jeune femme que je connais d'étayer son argument en faveur de l'aide sociale. Elle en donna la preuve la plus probante qu'on puisse imaginer. Le regard éploré d'une mère qui n'arrive pas à nourrir son enfant. Pourriez-vous le regarder dans les yeux? Voir ses pieds ensanglantés de marcher pieds nus dans les champs de coton? Oseriez-vous demander à sa petite sœur au ventre gonflé ce qu'elle pense de l'éthique du travail de son père?
Il est excellent. She's little and low. She used to love me, but she don't know more. You gotta step it up and go, yeah. Car dans notre monde, tout ce qui importe, c'est que le gros poisson mange le petit poisson. Et la couleur du poisson ne compte pas. Si l'état du Mississippi s'était retourné à chaque fois qu'un nègre avait été lâché, le gouvernement ne serait-il pas intervenu? Step it up and go. Front door shut, back door too. Blinds pulled down, what you gonna do? You gotta step it up and go. And go. We can't stand pat, I pray. You gotta step it up and go. Got a little girl, her name is Ball. Give a little bit, but she took it all. You gotta step it up and go. And go. Et le gagnant est... L'université Wiley. C'est bien ça, capitaine. Je crois que je tiens le meneur. Oui, monsieur. Oui, très bien. Très bien, si c'est ce que vous voulez. Ouais, ouais, d'accord. Salut. Merde. Qui c'était? Le capitaine Wainwright. Des Texas Rangers? Il me demande d'attendre avant d'arrêter ce gars-là que lui et ses hommes soient ici. C'est ça. Il veut sa photo dans le journal. Ouais. Je me tape tout le travail. Il lui récolte toute la gloire. Ouais. C'est sans doute comme ça que le monde est fait. C'est pas vrai, Samuel? Bon, j'ai une annonce à faire. Excusez-moi. Il y a quelque temps, j'ai... Nous avons écrit à plusieurs grandes universités. Nous leur avons parlé de nous, de notre équipe, de ce que nous avons fait. Et hier, nous avons reçu une réponse. De l'université d'Oklahoma City. Est-ce que ce sont des... Des anglo-saxons. Oh. Ouais. On sera la première université noire, enfin, l'une des premières universités noires du pays à affronter une université blanche. Super! L'université de l'Oklahoma. Ah, l'université de l'Oklahoma, l'université d'Oklahoma City. Le débat se tiendra à l'extérieur du campus. Pourquoi à l'extérieur du campus? Parce que parfois, Monsieur Lowe, les choses se font une étape à la fois. Vous voulez dire que les culs blancs d'Oklahoma nous refusent l'accès à leur campus? Non, ce que je dis, c'est que les choses se font une étape à la fois. C'est une occasion extraordinaire. Je vous remercie. Une occasion que le maître nous a donnée. Une miette tombée de sa table. Mais quoi? Je crois que Lowe a peur. De quoi donc ai-je peur, James? Je crois qu'affronter les Blancs, c'est ce qui te fait peur. Anglo-saxon. Anglo-saxon. Merci beaucoup. Monsieur Tolson, laissez-moi affronter. Je veux dire, j'affronterai les Anglo-saxons n'importe où. Dans une ruelle mal éclairée avec une chandelle et des gens armés qui nous pourchassent. J'affronterai les Anglo-saxons n'importe où. Je n'ai pas peur. Moi si. Monsieur Tolson, quand je suis arrivé, j'ai vu le shérif à l'extérieur qui surveillait. Que se passe-t-il? Faudrait le demander au shérif. Il circule beaucoup de rumeurs sur ce que vous faites. Mon père a appelé le recteur et lui a demandé ce qu'un communiste faisait dans une université méthodiste. Mes opinions ne regardent que moi, Monsieur Burgess, et je vous promets que ça ne mettra pas l'équipe en danger. Mais monsieur, elle est déjà en danger. Je suis venu à Wiley pour étudier, non pour qu'on enquête sur moi. Et je ne veux pas être entraîné dans quelque chose que mes parents pourraient...
Excusez-moi. Monsieur, je vous en prie. Dites-moi seulement que vous n'êtes pas communiste, autrement je... Autrement quoi? Autrement quoi? Mon père dit que je devrais partir. Personne ne veut ça. Alors dites-le-moi. Je l'ai déjà dit, mes opinions ne regardent que moi. Je dois donc vous quitter. Madame Tolson, merci pour ce merveilleux repas. Je vous en prie, âme. Bonne chance à Oklahoma City. Vous allez gagner. Eh bien, si quelqu'un d'autre veut partir, je comprendrai. Assertion. Les Noirs devraient être admis dans... Plus fort, plus fort. On n'entend pas. Assertion. Les Noirs devraient être admis dans toutes les universités d'État. Et mon collègue et moi prouverons cette assertion. Empêcher l'admission d'un Noir dans une université d'État n'est pas seulement injuste, mais c'est absurde. Car les Noirs ne sont pas simplement une couleur dans le tissu des États-Unis. Ils sont le fil qui retient ensemble ce tissu. Et on peut remonter dans l'histoire pour le voir. Le 13 mai 1865, le sergent Crocker, qui est noir, est le dernier soldat à mourir durant la guerre civile. 1918, les premiers soldats américains décorés pour bravoure en France sont des Noirs, Henry Johnson et Needham Roberts. 1920, le New York Times annonce que le N de Noir portera désormais la majuscule. Forcer les universités du Sud à une chose à laquelle elles ne sont pas prêtes n'entraînerait qu'un accroissement de la haine raciale. Le docteur W.E.B. Dubois, qui est peut-être le plus éminent érudit noir d'Amérique, en pense... C'est une stupide perte d'argent, de temps et d'énergie d'essayer de contraindre une puissante majorité à faire ce qu'elle est déterminée à ne pas faire. C'est vrai. Mon adversaire a commodément choisi d'ignorer le fait que W.E.B. Dubois est le premier noir à obtenir un doctorat d'une université blanche, celle de Harvard. Le docteur Dubois ajoute, il est impossible. Impossible pour un noir de recevoir dans une université blanche une éducation convenable. Le plus éminent érudit noir d'Amérique est le pur produit de l'Ivy League. Absolument. Voyez-vous, Dubois ne connaissait que trop bien la très forte résistance des Blancs au changement. Mais ce n'est pas une raison d'écarter un noir de certaines universités. Si personne n'avait forcé le Sud à faire ce qu'il n'était pas prêt à faire, je serais encore enchaîné et Miss Book tenterait de fuir son maître. Oui, je l'admets. C'est vrai. Beaucoup trop de Blancs sont affligés de ce mal qu'est le racisme. Et parce que cela existe, il serait impossible aujourd'hui pour un Noir d'être heureux dans une université blanche du Sud. Et si quelqu'un n'est pas heureux, on ne peut voir comment il pourrait recevoir une éducation convenable. C'est vrai. Oui, le jour viendra sûrement où les Noirs et les Blancs pourront fréquenter le même campus. Et nous partagerons tous les mêmes salles de classe. Mais c'est triste, ce jour n'est pas arrivé. Tant que les écoles seront séparées,
Les Noirs vont recevoir une éducation qui sera à la fois différente et inégale. L'Oklahoma le reconnaît. L'État consacre présentement 5 fois plus d'argent pour l'éducation d'un enfant blanc que pour celle d'un enfant de couleur. Les écoles blanches possèdent donc de meilleurs livres que les écoles noires. Et je dis que c'est une honte, mais mon adversaire dit que le jour n'est pas arrivé où les blancs et les gens de couleur iront dans les mêmes écoles, seront sur le même campus et partageront la même salle de classe. Pourrait-on avoir la bonté de me dire quand ce jour va arriver? Est-ce que ce sera demain ou encore la semaine prochaine, dans 100 ans? Jamais! Non, car l'heure de la justice est l'heure de la liberté et l'heure de la vraie égalité. Ce n'est pas demain, il faut que ce soit maintenant! Je t'ai dit que c'était du vin béni, ça donne un coup de fouet. Ça, on peut le dire. C'est bon, non? Tu sais où sont les toilettes, si jamais t'en as besoin? Ouais. Je croyais pas que j'arriverais. Et mes armes sont mes mots. Pas besoin de pistolet, pas besoin de couteau, ni de rien. Rejoins-moi dehors dans 5 minutes. Et pourquoi? Oui, je l'ai fait, chérie, et personne ne sait ça mieux que toi. Ça va, allez, ça va. C'est ça. Comment allez-vous, Pearl? Pearl! Oui, c'est ça. Où est votre mari? Dans le bureau. D'accord. Ça va? Oui. Ça va rentrer à l'université l'année prochaine? Dr. Farmer, toutes mes félicitations. Merci. Vous nous faites connaître. Eh bien, votre fils fait de l'excellent travail, sa recherche est impeccable. Heureux de l'entendre. Heureux de l'entendre. Écoutez, il y a pas mal de gens autour d'ici qui n'aiment pas tellement vos activités personnelles. On vous qualifie de radical. En fait, je ne serais pas du tout surpris d'apprendre un matin en me réveillant qu'on vous a pendu un arbre. Ils devront d'abord me prendre. C'est sérieux, M. Tolson. Très sérieux. Un nègre affamé vole un poulet, il va en prison. Un riche homme d'affaires s'en met plein les poches, il va au Congrès. Je trouve pas ça bien. Si ça fait de moi un radical, un socialiste, un communiste, amen. Eh bien, ça tant va pis. Comme ça. Jésus était un radical. Attention. Oui, c'est vrai. Jésus soyez était prudent, un radical. Hein, parce que les asiles d'aliénés sont remplis de personnes qui se prennent pour Jésus-Christ. Eh bien, c'est pas vous mon êtes cas. Convaincu d'être Jésus-Christ. Vous êtes sûr d'être lui? Vous savez ce que les mots font, d'accord. Non? D'accord. Amen. Est-ce qu'il y aurait confusion entre vous et Jésus-Christ? Non, pas confusion, conviction. Ouais. C'est pas que je vous juge. C'est que je ne suis pas rassuré par vos méthodes. Quelle méthode? James était là, cette nuit-là. Il n'était pas avec moi. Est-il impliqué dans ça? Bien sûr que non. J'ai fait tout en mon pouvoir pour le tenir éloigné de tout ça. Le tenir éloigné? Oui. Comment? Est-ce qu'il voulait... Vous voulez dire qu'il voudrait s'impliquer? Je ne crois pas, mais c'est une chose dont vous devriez parler avec lui. J'en parle avec vous, et je ne sens pas de réponse franche de votre part. Je vous assure que je suis franc avec vous. Je crois que vous étiez avec lui, ce qu'il est là. Il n'était pas avec moi. Il n'a que 14 ans. Je comprends ça, et je ferai absolument tout pour le protéger. Oui, je pense que vous me comprenez, non? Quelqu'un a soif? Tenez, voilà. Oui. Merci. Merci, Ro. Mais de rien. C'est une soirée très réussie. Merci. Il est temps de servir la tarte aux patates douces. Oui. Allons-y. Je vais aller vous aider. On en parlera une autre fois. Félicitations. Merci. Que
que c'est magnifique ici. Ouais. Je suis né près d'ici, un peu plus loin, sur le lac. Je viens ici depuis que je suis tout petit. Tes parents vivent encore par ici? Non, non, ils sont décédés. Mes grands-parents m'ont élevé. Mon papy, il a passé sa vie à bâtir des digues ici, sans être payé, bien sûr. C'était un esclave. Ma grand-mère me disait sans arrêt, « Sois gentil ou les confédérés vont sortir du cimetière Marshall et t'emmener. » Bon sang. Quoi? Je ne connaissais pas ce côté de toi avant. Quel côté? Tu sembles si calme, si paisible. C'est l'effet du lac sur moi. Je me sens si bien quand je suis ici. Comme c'est étrange. Comme si... Une partie de moi voulait toujours rester ici, au bord du lac, et... ne rien faire d'autre que lire, et chasser et pêcher quand j'aurai faim. Et que l'autre partie voudrait aller voir tout ce qu'il y a dans le monde, voir la Nouvelle-Orléans. Et New York, et Chicago, et même San Francisco. Seulement partir et marcher sur la route et disparaître. Ben, tu pourrais peut-être m'emmener avec toi. Seigneur. Quoi? C'est la fanfare de l'école, ils sont dehors. Quoi? Oh mon Dieu! Oh, t'avais dit que jamais personne venait par ici. Jamais personne vient par ici, Samantha. Henry. Ok, une seconde. Henry, où? Henry! Habille-toi! Qu'est-ce qui se passe? On va chercher Monsieur Tolson et Samantha. On retourne au campus, grande réunion de supporters. Vite, habille-toi. Non, écoute, allez chercher Tolson et je vous rejoins plus tard sur le campus, d'accord? Oh, viens donc, Lowe. Oui, tu vas voir, on va s'amuser. Ok, je leur dis que tu nous rejoins plus tard. On y va sans lui. Alors ? C'est bien ou non ? Il dit qu'il va nous rejoindre.
Bonne nouvelle. Très bonne, car mon téléphone n'arrête pas de sonner. L'Université du Michigan veut nous affronter, la SMU également, ainsi que celle de la Géorgie. Où est Monsieur Lowe? Quand est-ce que ce sera mon tour? Plus tôt que vous ne le croyez, James, beaucoup plus tôt. Quand? Quand vous serez prêt. Mais je le suis déjà. Monsieur Tolson, ça ne me ferait rien si James... Qu'y a-t-il? Je crois que j'en ai assez de tout ça. De quoi? Tout le monde a parlé, mais moi jamais. Quand est-ce que je pourrais montrer ce que je peux faire? Mais... Tu es notre meilleur recherchiste, James, et sans toi, je n'aurais rien pu faire. Oh, ça va, je t'en prie, tu fais plein de choses sans moi. Excusez-moi. James! Quoi? James, attends-moi! C'était extrêmement méchant ce que tu viens de dire. Écoute, je ne veux pas perdre ton amitié. Comment James. Tu pourrais perdre quelque chose que t'as jamais eu? Attends-moi! T'as jamais été mon ami. Peut-être bien que je veux pas seulement être ton ami. Et qu'être ton ami, ça me fait très mal. Ben voyons, James, qu'est-ce qu'il a? Monsieur Tolson! Où est-il? Je t'en prie, calme-toi. Vous l'avez vu? Non, ils nous l'interdisent. Ils vous ont rien fait. Non, on va bien. Monsieur l'adjoint, je suis le docteur James Farmer de l'Université Wiley. Voici William Taylor, l'avocat de Monsieur Tolson. Et voici sa femme, Ruth. Bonjour. J'aimerais voir mon client, s'il vous plaît. William! Shérif Dozier, je suis le docteur James Farmer. Et voici William. Alors, comment ça va? Très bien, monsieur. Et vous? Oh, pas trop mal, pas trop mal. Moi et William, ça remonte à loin. J'ai connu William quand j'étais petit gars. Pourrais-je voir mon client maintenant, shérif? Ton client? Non, le fait est que pour l'instant, William, ton client est pas mal occupé. Occupé à quoi? Shérif. Quoi? Le shérif. On a un petit problème. Envoie quelques uns de tes gars dehors. On y va. Ils sont avec vous? En effet. Regardez-moi ça. C'est ça qui arrive dans une ville où on laisse entrer les syndicats. Les problèmes commencent. Les gens se mettent à s'énerver, pour un oui, pour un non. Il y en a un qui pourrait bien sortir à s'amocher. Tu sais ce que je veux dire? Shérif, comme il est clair que vous n'avez aucune preuve pour arrêter M. Tolson, je vous suggère de le relâcher. Qu'est-ce que t'es, toi, pour faire des suggestions? Il y a quelques mois de ça, il y a eu une descente au bar de Floyd Tillman. De paisibles et honnêtes métayers s'étaient rassemblés là. Ils furent brutalement attaqués par un groupe de violents miliciens. Des témoins ont dit que vous étiez là. Si vous avez mené cette descente, shérif, c'est vous qui avez violé la loi, et non Tolson. Es-tu en train de me faire des menaces? Non, monsieur. Ce n'est pas ce que je fais. Mais je ne peux répondre des gens à l'extérieur. À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Ça veut dire quoi, ça? Un massacre de citoyens, autant blancs que noirs, par les Texas Rangers. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez en tant que shérif de ce comté? Si vous laissez Tolson rentrer chez lui, je pense que ceux qui sont là dehors vont aussi rentrer chez eux. Pas $25, ce cochon. Quoi? Tu en dois une partie à mon père.
Et mon père? Asseyez-vous, monsieur Farmer. Oh, Seigneur. La SMU a annulé. L'Université de la Géorgie va sans doute le faire, elle aussi. Pourquoi? On m'a mis à l'index. Il est même question de me désavouer. Le conseil d'administration et le recteur m'ont enjoint de ne plus travailler avec les métayers, ou sinon, ils disent que ça ne me regarde pas. Donc, les choses vont mal. Ma carrière de professeur est gravement menacée, mes débatteurs n'ont d'endroit où aller. Hanté, savez-vous qui c'était? Oui, c'était un lutteur d'une taille gigantesque dans la mythologie grecque. Mmh. Sa mère était Gaïa, la déesse de la Terre. Et personne ne pouvait le battre, parce que quand quelqu'un le jetait au sol, ça le rendait plus fort. C'est exact. Cela le rendait encore plus fort. La défaite le rendait plus fort. Vous êtes mes étudiants, je suis votre professeur, et il y a entre nous une relation de confiance. Que croyez-vous que je vais dire? De laisser tomber? Parce que le recteur le dit? Parce que le shérif le dit aussi? Parce que les Texas Rangers le disent? Oh non! Je suis radicalement opposé à ça. Mon message, c'est de ne jamais laisser tomber. Nous n'allons pas laisser tomber. Bien. Que devons-nous faire alors? Affronter Harvard. Harvard? L'Université Harvard est la championne nationale en titre. Si nous la battons, nous battons la meilleure. Monsieur Tolson, sauf votre respect, jamais ils n'affronteront une université aussi petite que Wiley de Marshall au Texas. Ils savent qui nous sommes. Je leur ai écrit et envoyé des coupures de presse. Mais comment avoir d'eux une réponse? En continuant de gagner. Le docteur Farmer m'a dit que la semaine prochaine, l'Université Howard sera à Prairie View. On a écrasé Fisk si nous éliminons Howard. Nous aurons battu les deux meilleures universités noires du pays et je vous garantis que je ferai tout ce qu'il faut pour que Harvard ne l'ignore pas. D'accord? Oui. Regardez sur la carte, vous allez sûrement la trouver. J'arrête pas de regarder. Prairie View, Texas. La 127. Montrez-la-moi. Elle est pas là. Sur la 127, près de Waxahachie. Elle est pas là. Elle est là, et vous ne la trouvez pas. Je vois 2, je vois 7. Maintenant, cherchez un 1 devant et vous aurez 127. Après 126. OK. Avant 128. Non, je crois qu'elle n'y est pas. Alors? Elle sort d'où, cette carte? Ici, moi, je vais aller chercher les clés.
Monsieur Toulson, comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi aussi, je vous remercie. Ça va? Henry? Henry, qu'est-ce que tu fais? Henry! Henry! Bébé, ça va? Encore debout, tu m'attendais? Mais qu'est-ce que t'as, bébé? Voyons. Bébé! Samantha! Ferme-la, allez, viens! Le petit pasteur! Tais-toi, allez! Avance, avance! Où on va? Je l'ai, monsieur Toulson. De Jevelstown. Arrête. C'est mon père que le diable je donne. Cours, négro, cours, le maître va t'attraper. Arrête, assieds-toi. Non, pas là. Allez, lève-toi. Approche. Sur moi. Arrête. Qu'est-ce que tu vois? Vas-y, regarde. Un grand négro pendu à un arbre. Cours, négro, cours. T'es un bon à rien. Quoi? Tu crois être le seul qui soit affecté? Je te demande de m'excuser. Pour ce que j'ai fait. Pour m'être saoulé et... Je te demande pardon. Mais non, je parle pas de moi. D'accord. Je vais lui parler. Non, 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 n'y va pas. L'eau, elle a pas besoin de te voir dans cet état. Je vais pas... Non, ça va, je vais aller lui parler. Non! Arrête, laisse-moi tranquille. L'eau! James. Calme-toi, calme-toi! Arrête! Arrête! C'est pas des blagues, tu comprends? Ça va... Calme-toi! T'es cinglé! Jamais t'oublieras ce que t'as vu là, tu m'entends? Jamais t'oublieras ce que t'as vu là! Tu sais se faire pendre, c'est peut-être ce qu'il y a de moins pire. Parfois, il te coupe les doigts, ou bien les orteils, le nez, les oreilles. Parfois, il te coupe les parties. Parfois, il t'écorche vivant. Jamais t'oublieras ça. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pas besoin d'avoir fait quelque chose, James! Non, c'est pas nécessaire! Il lynche les nègres au Texas! Tu comprends? Alors qu'on soit bon ou non, ça compte pas du tout, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu... Quoi? Tout ça, c'est inutile. De quoi est-ce que tu parles? Je veux dire, on est juste une bande de nègres débattant de sujets sur lesquels on est tous d'accord. Non, 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 James. Ne dis pas des choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que tu ne le dois pas. Pas toi.
Au revoir. Dieu vous bénisse. Où est Samantha? Elle ne vient pas avec nous. Pourquoi? Pas d'idée. Je l'ai conduite au terminus, elle veut retourner à l'école. Oubliez votre chance. Ça y est. Mais comment un noir pourrait-il défendre l'emprisonnement? Lui qui a vu tellement d'oppression tout au long de sa vie. Eh bien, parce que le crime est en soi une forme d'oppression et que les Noirs sont plus souvent victimes et de plus violents crimes que n'importe quelle autre race aux États-Unis. Pour nous, la prison n'est pas que synonyme de protection, mais aussi de punition. Et pour le criminel, ce qui semble être une épreuve est en fait l'occasion pour lui de se découvrir. Et cette épreuve avive sa passion pour la liberté et son espoir de rédemption. Notre prochain débatteur de l'Université Wiley, Monsieur James Farmer Jr. Monsieur Farmer. Chérie. Salut. Salut. Alors? On a perdu. Oh, comme je suis désolée. Ça vient d'arriver. Arvid, je me demande ce qu'ils disent. Allez, t'as qu'à l'ouvrir, tu sauras. On dirait bien que quelqu'un l'a déjà fait. Pas moi. C'est pas toi qui l'as ouverte? Non. C'est pas une très bonne menteuse. À voix haute. Cher Monsieur Tolson, merci de nous avoir fait part de votre victoire historique sur Oklahoma City. Comme vous savez, notre saison touche à sa fin, mais nous venons de recevoir une autre lettre provenant de Wiley et de Monsieur Henry Lowe. Mm-hmm. Avec un E. C'est en tant qu'étudiant. Il nous parle de... de votre saison sans défaite. Ce n'est plus le cas maintenant. Ça ne fait rien. Nous désirons donc vous inviter à... nous désirons donc vous inviter à affronter Harvard Crimson. Ici, à Cambridge. Laissez-nous savoir si cela vous agrée. Chérie. Surtout ne le dis à personne. Non.
Vous n'avez pas à me remercier. Je voulais seulement vous montrer que moi aussi, je sais écrire. Ça va, merci. Mais vous pouvez me faire une faveur. Laquelle? Gardez Samantha dans l'équipe. Et pourquoi je ferais ça? Monsieur Tolson, ça a été une très dure nuit. Oui, monsieur Lowe. Pour nous tous. Et à la dernière minute, elle nous a lâchés. Non, monsieur, elle ne nous a pas lâchés. Elle s'est enfuie de moi. Excellente. Assertion. Le capitalisme est immoral, c'est ce que nous allons soutenir. L'affirmative. Devant une meute de banquiers de Wall Street. Monsieur Thompson, je vous dois à vous. Vous êtes en retard. Entrez, asseyez-vous. Tu sais, Samantha, je suis pas. Assertion. Alors, je t'ai mis du macaroni au fromage, du poulet frit, des fèves noires pour la chance, haricots rouges et riz, maïs, pain, patates douces confites. Je t'ai mis aussi quelques beignets aux pêches et du pudding au pain. Je sais que t'aimes pas ça, mais maman, je t'en ai mis quand même. Merci, maman. Bonne chance, Suisse. En voiture! Père. Oui, James. Transmets à Boston mon meilleur souvenir. D'accord? D'accord. Hé! Hey, dépêche-toi, le train va partir. Tout de suite. Salut, petit frère. Salut. Au revoir, maman. Au revoir. Je t'aime. Au revoir, Sœurette. Au revoir. Je vous aime. Nous aussi. En voiture! Je ne vais pas avec vous. Quoi? Je ne peux quitter cet état, c'est la condition qu'on m'impose. Ne les laissez pas vous faire ça? Non, ne vous en faites pas. Je ne veux pas compromettre la chance qui s'offre à vous. Vous pouvez gagner sans moi, c'est bien ce que vous avez toujours souhaité. Il dit vrai. Pourquoi ne nous dire que maintenant? Je ne voulais pas entendre vos arguments, je sais que vous excellez. Très bien, monsieur Lowe, c'est vous qui dirigez. Si votre intuition vous dicte une chose, faites-la. D'accord. Allez-y. Oui, monsieur. Allez. Que pensez-vous que nous pouvons faire sans vous? Gagner.
Quelqu'un ne devait pas nous accueillir. Wiley? Oui. Oui. Arlen Osborne, c'est moi qui m'occuperai de vous durant votre séjour à Boston. Enchanté, je suis Henry Lowe. Monsieur Lowe? James Farmer Jr. Monsieur Farmer? Et Samantha Booth. Enchanté. Enchanté. Alors, allons-y. Ma voiture est devant. Permettez? Oh, merci. Vous allez demeurer sur le campus dans le pavillon Douglas. Je dois vous dire que ce débat suscite beaucoup d'enthousiasme. Ah oui? Oh oui. Il sera diffusé à travers tout le pays. Pouvons-nous voir la salle du débat? Bien sûr. Excusez-moi, vous avez le droit d'être là? C'est ce qu'on va savoir très bientôt. Tiens, Monsieur Farmer. $5? Lowe, j'ai $5. Moi aussi, c'est ce qu'ils appellent per diem. Tu veux que je le garde pour toi? Non, pas mes $5. J'ai eu un billet de $5, un billet de $5. Moi aussi. Moi, le mien est tout neuf. James, dans la classe aisée, on ne doit pas dévorer. Non, on doit savourer. Tu sais ça? Non, j'en sais rien. Bonsoir, je suis Wilson. Ceci est pour vous. Merci. Non, non, je ne peux accepter, monsieur. Ce serait déplacé. Monsieur, ce serait déplacé. Ça vient d'où? De Harvard. Peut-être encore de l'argent. Nous avons été informés par Tau Kappa Gamma que votre équipe présente des discours tout faits, des arguments écrits par la faculté et non par les étudiants. C'est pourquoi nous allons changer de thème. Votre équipe aura le même délai pour écrire les nouveaux arguments que celle de Harvard. 48 heures. Quoi? Tous les profs aident les étudiants, c'est normal. Oui, monsieur. Les deux équipes pourront consulter les mêmes livres. Voici la nouvelle assertion à débattre. Dans le combat pour la justice, la désobéissance civile est moralement acceptable. L'université Wiley défendra l'affirmative. Merci, monsieur. On ne peut joindre Monsieur Tolson. On ignore où il est. Il s'arrange pour qu'on perde. On ne peut pas gagner sans lui. Tu te trompes. Sans lui, on ne peut pas gagner. Toro? Car une chose est sûre. Même condamné injustement, la vraie place de l'innocence sera monsieur. La prison. Merci, Monsieur Wilson. Pour l'injustice. Juste Wilson. Cette place merci, qui permettra Wilson. De faire le point sera... Mais tu dois citer le massacre d'Amritsar. Je suis d'accord, mais je m'en servirai pour la réfutation. On doit toujours garder le meilleur pour la fin, parce que l'important, c'est de surprendre le public. On devrait adhérer au principe de Gandhi, du Satyagraha. Je ne crois pas, les gens ne comprendraient pas ce que le Satyagraha, c'est du sanskrit, ça veut dire vérité et justice. Je vous l'avais dit,
Ça me semble évident qu'on devrait commencer le débat avec Gandhi. Eh bien, c'est pour ça que je le ferai pas. Pourquoi faire ce qui est ça évident? Va nous ça faire gagner. Eh bien, je m'en fous. Est-ce que tu entends ce que je dis? On est à Harvard. Oui, à quoi tu penses Harvard. D'abord quand on dit c'est pourquoi civile? Il faut pas. Quelle est la Gandhi, première chose? Quelle est la première chose à laquelle écoute, moi je veux gagner? Toi, oui, gagner, je veux gagner. Mais James, vous voulez gagner? Je m'en fous. Tu as raison, c'est vrai. Tolson a dit que c'était moi qui étais en charge. C'est pas moi. C'est moi qui l'a nommé. Il m'a nommé. C'est moi qui prends les décisions. Ne commence pas avec Gandhi. Surtout pas avec Gandhi. Arrête de dire. Tu conduis comme un enfant. L'enfant, c'est toi! T'es un idiot! Un idiot! Parfaitement! Je suis un idiot! Oui, t'es un idiot! Va-t'en au diable! Et toi aussi! T'es au diable! Tu m'envoies au diable! Je le fais pas! Simplement parce que je diffère d'opinion! Non, je le fais pas! Tu veux t'en aller! Va-t'en! On courra pas après! Tu veux partir? Vire après! Va-t'en! Il va revenir, non? Je m'en fiche! Magnifique quand tu dors. Henry, j'ai... Ouais, je sais, ouais. Mais tu peux pas m'empêcher de te regarder. Est-ce que vous pourriez vous la fermer et dormir? James, réveille-toi. Non. James? Allez, James, debout. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est mes notes. Pourquoi tu me les donnes, Henry? C'est toi qui vas les affronter. Quoi? C'est ton tour, James. T'es sérieux? T'es fou. À 14 ans, t'es déjà aussi bon que moi. Non. Les juges vont t'adorer. Non, non, tu ne peux pas nous laisser tomber. Non, ce n'est pas le cas, Samantha. Tolson m'a nommé capitaine, mais il a dit que t'étais prêt. Mais tu m'as vu à Howard, j'ai été horrible. Oui, une catastrophe totale, un vrai fiasco. Est-ce que tu crois que t'aurais dû tout laisser tomber? Non. Qui est le juge? Quoi? Qui est le juge? Le juge, c'est Dieu. Pourquoi est-il Dieu?
parce qu'il décide qui perd et qui gagne, pas mon adversaire. Qui est votre adversaire? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? Parce qu'il n'est qu'une voix discordante qui conteste la vérité. C'est vrai. Laissez parler la vérité. En direct du Memorial Hall de Harvard à Cambridge, au Massachusetts, vous écoutez la diffusion en direct sur les ondes de WNBC du débat historique opposant la petite université Wiley de Marshall au Texas et l'équipe de l'université Harvard. C'est la première fois qu'une université noire rencontre les champions nationaux qui viennent de faire leur entrée et se dirigent vers le podium. Comme sur un signal, la foule vient de faire le silence. En cette occasion historique, nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de l'université Wiley, à nos illustres juges, aux spectateurs présents et grâce à la magie de la radio, au pays tout entier. L'université Harvard célèbre cette année son 300e anniversaire et en Franklin Delano Roosevelt, son 5e président des États-Unis. Mais nulle université, toute glorieuse que soit son histoire, ne peut se permettre de vivre dans le passé. Ainsi, résolument tournée vers demain, je vous présente aujourd'hui les débatteurs de l'université Wiley, Miss Samantha Book, Monsieur James Farmer Jr. Oh mon Dieu! Monsieur Farmer parlera le premier pour l'affirmative. Assertion. Dans le combat pour la justice, la désobéissance civile est moralement acceptable. Mais comment la désobéissance peut-elle être morale? Eh bien, ça dépend, je pense, de notre définition des mots. Du mot. En 1919, en Inde, 10 000 personnes se rassemblèrent à Amritsar pour protester contre la domination britannique. C'est commencé? Chut, c'est ton frère qui parle. Écoute. Le général Reginald Dyer cerna les manifestants dans une cour et ordonna à ses troupes de tirer sur la foule pendant 10 minutes. 379 personnes furent tuées. Hommes, femmes, enfants, abattus de sang-froid. Dyer dit qu'il leur avait donné une leçon morale. Gandhi et ses partisans répondirent non par la violence, mais en organisant une campagne de non-coopération. Les édifices gouvernementaux furent occupés. Les rues furent bloquées par des gens qui refusèrent de se lever, même battus par la police. Gandhi fut arrêté. Mais les Britanniques furent bientôt forcés de le relâcher. Alors Gandhi appela cela une victoire morale. La définition de morale, la leçon de Dyer ou la victoire de Gandhi? Choisissez. De 1914 à 1918, à chaque minute que dura la guerre, à chaque minute, quatre hommes rendaient l'âme. Songez-y un instant. 240 intrépides et courageux jeunes hommes basculèrent dans l'éternité à chacune des heures, de tous les jours et de toutes les nuits pendant quatre longues années. 35 000 heures. 8 241 000 victimes en 4 ans. 240. Ce fut un massacre incomparablement plus grand que celui d'Amritsar. Est-ce qu'on peut y trouver quelque chose de moral? Non, rien. Sauf que cela empêcha l'Allemagne de mettre l'Europe sous sa botte.
La désobéissance civile est immorale parce que non violente. Se battre pour sa patrie avec violence est profondément moral. Cela demande le plus grand sacrifice qui soit. Donner sa vie. La non-violence est le masque sous lequel la désobéissance civile cache son vrai visage. L'anarchie. Gandhi croit qu'il faut toujours témoigner amour et respect envers ses adversaires, même s'ils sont de l'équipe de Harvard. Gandhi croit aussi que ceux qui enfreignent la loi doivent assumer les conséquences des gestes qu'ils posent. Est-ce que c'est cela, l'anarchie? La désobéissance civile n'est pas une chose que l'on devrait craindre. Car c'est, après tout, un concept américain. Car en effet, Gandhi a trouvé son inspiration non dans des textes sacrés hindous, mais chez Henry David Thoreau, un diplômé de Harvard de 1837, qui a vécu au bord d'un étang près d'ici. Mon adversaire n'a pas entièrement tort. Thoreau est un diplômé de Harvard. Et... comme plusieurs d'entre nous, un peu suffisant. Il a dit un jour, « Tout homme isolé mais fort de son bon droit constitue une majorité à lui tout seul. » Thoreau, l'idéaliste, ne se doutait pas qu'Adolf Hitler serait d'accord avec ces mots. La beauté et le fardeau de la démocratie, c'est que aucune idée ne peut prévaloir sans l'appui de la majorité. Le peuple décide de la moralité des enjeux d'aujourd'hui, mais non un seul individu. Les majorités n'ont pas à décider de ce qui est bien ou mal. Votre conscience le fait. Alors pourquoi un citoyen devrait-il abandonner sa conscience au législateur? Et jamais, non. Jamais nous ne devons capituler devant la tyrannie de la majorité. Nous ne pouvons décider à quelles lois nous devons obéir et lesquelles ignorer. Si c'était le cas, je ne m'arrêterai pas au feu rouge. Mon père fait partie de ces hommes qui s'interposent entre nous et le chaos. Il est policier. Je me rappelle le jour où son coéquipier, son meilleur ami, fut abattu dans l'exercice de ses fonctions. Plus que tout, je me rappelle l'expression que j'ai vue sur le visage de mon père. Il n'y a rien qui sape les fondements de la loi qui soit moral. Et peu importe le nom que parfois on lui donne. Qu'est-ce qu'il attend pour parler? Chut. Au Texas, on lynche les Noirs. Mes équipiers et moi, nous avons vu un homme qu'on avait pendu par le cou et qu'on avait brûlé. Nous avons réussi à échapper à ceux qui l'avaient lynché, couché sur le plancher
de la voiture. J'ai regardé mes camarades. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Et pire, la honte. Quel crime ce noir avait-il commis pour mériter d'être pendu dans une sombre forêt noyée de brouillard? Était-ce un voleur? Ou un assassin? Ou simplement un noir? Était-ce un métayer? Un pasteur? Ses enfants l'attendaient-ils à la maison? Et nous? Qui sommes-nous à rester là? À ne rien faire? Et peu importe ce qu'il avait fait, ce sont ceux qu'il avait lynchés qui étaient les criminels. Mais la loi n'a rien fait. Elle nous a seulement laissé nous poser la question. Pourquoi? Mon adversaire a dit « Il n'y a rien qui sape les fondements de la loi qui soit morale. » Mais comment encore croire à la loi dans ce vieux sud ségrégationniste si on refuse aux Noirs le droit au logement et l'accès aux écoles, aux hôpitaux, et où en plus nous sommes lynchés? Saint Augustin a dit « À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. » Ce qui veut dire que j'ai le droit, et même le devoir, de résister. Par la violence ou la désobéissance civile. Priez pour que je choisisse celle-ci. Entre l'université Harvard et celle de Wiley, le gagnant est... Université Wiley. Sept ans plus tard, en 1942, James Farmer Jr. fonda le Congrès pour l'égalité raciale et devint un leader du mouvement pour les droits civils. Après une longue vie consacrée à l'enseignement et à l'écriture, James Farmer Sr. s'éteignit en 1961, la veille du jour où Samantha Book, une avocate, monta à bord de la première Freedom Ride vers l'Alabama.
Henry Lowe partit étudier la théologie à l'Université de la Californie et devint ministre du culte. Melvin Tolson devint un poète de renommée internationale. Il continua d'être impliqué auprès de la Southern Tenant Farmers Union. À la fin de 1936, elle comptait 31 000 membres répartis dans 7 États. Pendant 10 ans, l'équipe de débatteurs de l'Université Wiley demeura invaincue. Got two wings, fly away, can't no
Heaven.